T'as tellement de dessin. Quelqu'un a vu une route quelque part? Ça me fait peur, cette petite chatte blanche. Viens, alors garde les yeux sur la route. Hé, hey Sam, tu voulais conduire? Hein? Enfin, si on veut. Dommage, accroche ta ceinture. Putain, je suis... les faces de conduite. Ah, génial, je raffole. Là, il y a une petite chatte qui passe derrière la télé. C'est comme ça. Wow! Je peux pas faire comme Gaïa, dormi. Heureusement que t'en as pas vu. J'ai peur qu'elle appuie sur un bouton qui fait que t'as les consoles qui s'éteint. Merci la vidéo. Merde! Les motos! Vas-y, prends dedans! Poussez-vous! Ça... oh, celle-là, c'était génial! J'ai littéralement atterri sur eux. Il y a une moto qui m'a atterri dessus qui s'est pété la gueule. Alors ça, ça rappelle une phase hein, dans notre jeu. J'en demande. C'était ça. Ça heureusement qu'ils sont pas montés et qu'ils ne sont pas bien. Mais c'était sympa le chapitre avec Chorola et un peu. J'en ai eu un. Mais ça va, notre caisse est invincible. Il y a qu'un indice de conduit qu'elle l'est pas. Il y a aucune échappatoire. Oh, voilà le train. Sam, prends soin de la défense. On peut pas. Approche. C'est bon. Ah, c'est pas mal, ça arrive, vas-y, on saute. Allez, vous les faire, les filles. Oh, merde. Bonne chance, Sam. Il va s'en sortir. Tu t'inquiètes pour lui? Bah, il a la défense. C'est bon, hey, que ça fasse pas t'as vu où ils ont mis cette caisse géante? Là, c'est vraiment dangereux. Bien, c'est notre prochain objectif. Ouais. Allez, donc on arrive à l'arrière du train. Je devine que c'est tout à l'avant qu'il y a le truc. C'est pas drôle. Ah, que souvenir. Ça, ça me rappelle vraiment la phase du train du second de plus. Merde, on peut pas grimper. Par là! Attention où tu marches! Bon prix! Bon, j'ai entendu. Essayons de l'autre côté! Fonds, là. Wow! On se détend! Ok, bonjour. Bien, on progresse! Ouais, on va commencer, c'est tranquille. J'ai entendu un éléphant et surtout qu'il y en avait un à l'extérieur. Mais... par l'extérieur! Pour le moment, il n'y a pas d'ennemis, c'est tranquille. Oh merde, on a de la compagnie! Les hommes d'assaut! Voilà, j'en ai eu un! Je ferai pas de looping avec la grue, hein. Je suis pas fou non plus.
quoi le... Merde, on va grimper sur cette citerne. On doit pouvoir le contourner. J'en crois pas. J'aime ta façon de penser. Je peux servir un Under 4-4 et il deviendra invincible d'un coup. 4-4. J'ai plein de succès, on a trop fait en ce moment. Ça leur fait bien, on va essayer. Dernier automne, on va le toucher tôt. C'est fini, on se voit bloqué. Il faut faire le tour. Baisse la tête, vite. Il y a des trésors dans cet endroit, sûrement, mais j'ai autre chose à foutre qu'aller là. Le plaisir de lui foutre ses plans en l'air sera d'autant plus grand. Je crois qu'on approche, il est long ce train. Je crois qu'on y est presque. Et là, il y a Michel qui nous attend, je peux juste parier 30 000. C'est vraiment lourd. Et on est peut-être un train direct. Pense, je m'en occupe. Ok, à toi. Elle est bien plus grosse en vrai. C'est du matériel militaire. Par ici. Il attends. Est où Michel? Parce que je suis sûr qu'Azaz, il est dans le coin là. Forcément, c'est pas à ça. Ah la vache, c'est trop lourd. Tu peux la désamorcer? Elle exploserait si j'essayais. Tu l'en vais alors. On va à la motrice. Tu viens? Là, on va à la motrice et okay, on change la destination. Et donc je suis sûr qu'il y a ça, il est là-dedans. C'est quoi maintenant? Ah. C'est toi la mousse. Mais
m'explique là. Enfin. On peut glisser par là. J'essaye depuis tout à l'heure, ça voulait pas. Attends. Il y a Michel, il va nous attendre dans le truc, il va nous foutre une claque directe et on va perdre nos armes. Non, ouais. non. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont soudé la porte. Fais chier. Hé hey, nous trappe. Réfléchis pas à ce que tu fais. Fais-le. Aussi. Il doit y avoir un autre moyen. Si t'as la moindre idée, je suis toute oui. Un levier. Quoi? Là, une gare de triage. Si on l'atteint, on pourra détourner le train et gagner du temps. Ok, bonne idée. Tout est fini. Une voiture. Tiens, dégage, toi. Oh merde, la ville. Par contre, on n'a pas croisé Assam, il est où? Vous pouvez pas vous empêcher de mettre votre grain de sel. Parce qu'on a fait tout le train et on n'a pas beaucoup de temps. Allez, on va essayer d'y arriver. Ouais, l'objectif est droit devant. Sors-le ! Faut qu'on fasse en sorte de changer le train de voie. Sam. Où est Nadine? Sur le train. Il faut s'occuper de l'aiguillage. Évasion. C'est vraiment pas le moment. Et les deux ponts, vous pouvez nous lâcher la grappe de pont? Je lui tire, Chloé. Merde, le train se rapproche. On peut se les faire. Ça y est, plus personne. Bon, on retourne à l'aiguillage. Pousse. Allez. Ah, j'ai vu un sol. Merde, Nadine! Il faut que je la rattrape. Attends. T'es vraiment sûr? Elle sait se débrouiller. Sam. Ok, je vais. Merde! Oh, mais shit! Vas-y! Allez, c'est reparti, mon kiki! On a déraillé le train, donc là c'est tranquille. Hein. Par contre, là j'ai vu Assam sur le train. Il est... Comment on a fait pour le rater? Ou à moins qu'il ait vu après avec l'un des véhicules? Allez savoir. Sûrement. Il devait pas être sur le train à la base. Ok. Voilà le train. C'est logique. Mais comment je monte à bord? Je ne vois aucun pont, ni passage à niveau. Je n'ai pas aidé. Attends-toi, fais ce moment. Dire que ça a marché. Oh merde, le pont. Merde. Au moins, là, la bombe, ça va être tranquille. Hein. Par contre, ça va faire les la une de la des news, hein, ça c'est clair. Bon. Évidemment. Et on perd nos armes et tout, et comme ça on a oublié de le compter encore un peu, c'est ça. On a mis du temps. J'avais un train à prendre. C'était pas drôle si on se le faisait pas encore à corps. Je me suis toujours considéré comme un homme très patient. Mais vous êtes une variété de vermine particulièrement tenace. Ça va? Je sens que je vais me faire plaisir. Vas-y, montre-moi un peu ce que tu sais faire. Bouge pas.
Ah putain, on se l'enchaîne. Vous allez risquer vos vies. Et pourquoi? Pour une ville de paysans? Mais quel parfait connard! Le sang des anciens rois coule dans mes veines. Mon peuple renaîtra de ses cendres. J'essaie d'esquiver, putain. Tu pouvais arrêter de taper la vie. On aurait pu faire tant de choses ensemble. On va faire manger votre propre jambe. Hop. Reviens. Mais putain. Il va y tenter de me retaper. J'en ai rien à foutre. Putain, ce combat, il ressemble à rien. J'arrive pas à le taper. Ah ouais, enfin. J'ai réussi à le taper, là. J'aurais jamais dû partir. Merde. Ce combat, il est en train de me saouler, par contre. Elle est mineure. Moi, je peux t'assurer à ça. Ces terres sont à moi. Qu'est-ce que vous espérez y gagner? On s'intéresse surtout à ce qu'on peut vous faire perdre. La bombe? Je rachèterai une autre. Je brûlerai ta ville, voleuse. Et ton peuple se sauver. Nadine! Finis son sang. Je te ferai souffrir. Chut! N'essaie pas de résister. Il faut savoir reconnaître sa défaite. Nadine, j'arrive. Faut que je descende. Bon bah, faut que je descende. Tu as une conscience maintenant. Faut que je descende. Faut que je monte. Non, 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 non. Pas l'étoffe d'une héroïne. Ma guerre déstabilisera le gouvernement. Le troupeau aura besoin de son. Ah, putain, on l'a eu. Je mourrai un millier de fois avant de vous laisser gagner. Oh merde! Petit rappel, le pont! Aucune importance! Finissons-en! Vermine! Je m'avais tout pris! Tout pris! J'en purifiais ces terres par le feu! Il vous suffisait juste de mourir! Bah, vas-y, on le finish! Oh, le gros con là, C'est terminé. Vous pensez avoir gagné? D'autres viendront. Comme le jeune roi, vos efforts seront vains. Vous l'avez dit vous-même. Le progrès exige des sacrifices. Fraser, il faut y aller. Putain de prétentieuse! Cours! Vas-y, on tourne. Allez, allez, on le... Là, il y a le train.
temps. Ah, ça, ça me rappelle le dos aussi. Ah bah ça, ça va faire la vie des news, hein, comme je dis. Je pourrais pas essayer de grimper. S'il te plaît. C'est pas vrai. Oh, Sam! Rentrez, je vous récupère. C'est que du muscle, elles disent tout ça. Allez, allez. La vache, merci. Oh. Comment vous avez pu vous sortir de là? Alors là, j'essaie encore de comprendre. Et... Asav? Il est dans le train. C'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Regardez-moi ça. Bah. Ouais. Eh ben, on vient de loin. C'est clair. Alors? Et maintenant? Nadine Ross? Tu reprends Shoreline? Tu conquiers le marché des armes? J'arrête avec Shoreline. Vraiment? Vraiment. En fait, je me disais que je retenterais bien de partir à la chasse au trésor. Tu connaîtrais pas un con égoïste qui cherche une partenaire? Pas toi. D'accord. Ah. Désolée, je bosse qu'avec des pros. Bon, il faut prévenir un peu les autorités, hein. Que Asav est mort, que c'est bon, c'est tranquille, hein. L'une des grosses, leur plus grosse épine dans le pied est, est mort. Oh, c'est pas vrai. Non, mais Sam. Je déconne, la voilà. T'as fait une tête. Ah, oh, d'accord. Merde. C'était ma dernière clope. Elle est vraiment superbe. Ouais. Combien on pourrait en tirer de cette beauté? Eh ben. Sa place est dans un musée, tu sais, là. Qu'il tient, donnera une généreuse et belle prime. Pas vrai? Ensemble? Le coude. Oh. Vous êtes trop marrante. Le ministère de la Culture. J'y crois pas, vous êtes sérieuse. Et c'est ainsi que se terminent nos aventures. Ah bah c'est leur film dans indienne. J'aime bien avec les petites images comme ça, comme ce que j'ai mis sur les miniatures. Pour la miniature de cette vidéo, je pense que je ferai un truc spécial. Je sais. Un collectionneur privé. Hein? Réfléchissez juste une seconde. Je comprends que vous avez des principes et c'est très bien. Vraiment. Et je suis complètement d'accord. Mais on pourrait peut-être... Gâche pas ce beau moment. J'avais l'autre essai de négocier. Non bah j'espère que ce let's play vous a plu. Ouais, moi ça allait. Il y a des énigmes qui m'ont gonflé, ça fait pas trop.
je trouve le combat était un peu ouf. C'était pas le plus épique, honnêtement. C'est pas non plus le plus relou. Lazarevic m'avait plus saoulé. J'avais bien aimé les combats dans le 3, c'était plus chorégraphié, c'était mieux. Plus expédité, mais je préférais honnêtement les combats de boss. Contre notamment Talbot. Ça évitait les trucs à rallonge là, corps à corps habituel. Même le 4, ça c'était un peu mieux, on va dire, même si t'avais quand même le côté corps à corps, le truc, mais je trouvais que non, la mise en scène était mieux. Ouais, bah comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu. Ah ben, ouais, est-ce qu'il y aura un autre Uncharted? On verra bien, hein, on le fera si c'est le cas. Ouais, c'était sympa, il faut prévenir les autorités locales. Qu'on ne voit jamais avant, les flics, on les voit jamais avant les trucs à l'armée. En tout cas, c'était sympa. Ça finit soirée pizza. Ouais, ça c'était. Ça fait, j'ai raté beaucoup de trésors. Ouais, j'ai raté énormément de trésors, la moitié. Mais sinon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre la miniature pour le dernier chapitre. J'étais tellement à fond le truc du train que j'ai oublié de prendre un truc. Mais résultat, je pense que je ferai une miniature spéciale pour le dernier chapitre. En ce moment, j'en fais plus beaucoup de miniatures, tu sais. Comme j'ai déjà des trucs prédisposition, bah pour une fois là, je pense que je vais me faire chier un peu à en faire une. J'espère que ça vous plaira. Bon, on peut zapper. Parce que je pense qu'il n'y a plus rien après, je sais pas. Mode photo. Mode photo. Bon, en tout cas, en espérant que ça vous a plu, hein, on va se quitter là. Au revoir les gens, bye bye bye, coucou les kiddies, c'est nous.